Bienvenue à vous pour vivre la Coupe de France du Burger by Socopa sur la page Facebook de ce concours un peu nouveau cette année, comparativement aux années précédentes. Vous allez nous suivre tout au long de cette journée, on est très heureux de vous accueillir ici à Paris. Vous allez être nombreux à nous suivre tout au long de la journée donc pour vivre ce concours qui va se dérouler en différentes étapes, cinq finales régionales, avant de vivre cet après-midi la grande finale nationale. Et aux alentours de 17h30, 17h45, vous connaîtrez le nom du nouveau champion de France du burger. Tout cela, évidemment, vous allez pouvoir le vivre et le suivre en direct. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo. On vous lira, bien évidemment, et merci d'être là. Le parrain cette année, le parrain chef de ce concours, de cette édition 2020, c'est Julien Duboué. Bonjour Julien, merci d'être Bonjour. Là. Comment ça va? Ça va très bien, j'ai faim. C'est vrai. Il est tôt quand même, hein. Il est 10h, 10h15. J'ai tout le temps fait, hein. On va manger toute la journée, Julien. Parfait. On va déguster des burgers aujourd'hui. On parlera des critères de notation. On rentrera un peu plus dans le détail dans quelques instants. Il y a un élément qui est très important cette année, c'est la créativité, le savoir-faire français. On sera attentif aux aliments, aux ingrédients que les chefs qui nous ont rejoints pour ce concours ont choisis. Oui, bien sûr, je pense que c'est d'actualité. On fait tous attention à ce que l'on mange et on aime bien les produits locaux, donc on attribuera en fait une grosse partie de la note aux produits traités dans le burger. Je vous expliquerai dans quelques instants la règle du jeu, la règle du concours. Julien et les autres chefs qui sont présents, on a le plaisir d'avoir les gagnants des années précédentes, les autres anciens champions de France qui seront présents aujourd'hui. Déborah Béguin de Socopa Restauration est avec nous. On est à mes côtés, Déborah, merci d'être là. Ce concours est organisé par Socopa. Alors, qui a une saveur un peu particulière cette année, je le disais, parce que normalement, cette Coupe de France du Burger by Socopa se déroule sur un salon, le Sandwich and Snack Show, qui se déroule porte de Versailles. Malheureusement, cette année, le salon n'a pas eu lieu pour cause de raisons sanitaires que l'on connaît. Vous avez, vous, tenu à toutefois faire ce concours. Pourquoi ? Tout à fait. C'était très important pour nous parce que les chefs s'investissent énormément dans la compétition. Une nouvelle fois, ils ont été très nombreux à répondre présents, à candidater. Et les 25 finalistes avaient... on avait le devoir vraiment de pouvoir mettre un petit coup de pouce et un petit coup de projecteur sur la profession, parce qu'on sait tous qu'en ce moment, c'est compliqué. Donc, une note positive, ça fait du bien. Et ils sont là pour nous régaler. Donc, merci d'être présents. Et puis, ils sont prêts, surtout depuis des mois et des mois. Le concours, normalement, aurait dû se dérouler au mois d'avril, mai-avril. C'est ça. Ça a été reporté à deux reprises. Donc, ça fait un moment qu'ils sont prêts et qu'ils attendent que ça. Donc, on soutient également Reed Expo, hein, qui, dans ces temps compliqués, aurait dû nous accompagner dans l'événement. Et on remercie l'Atelier des Chefs de nous avoir permis de réaliser ce huis clos à pied levé. Alors, je ne sais pas si vous voyez derrière nous, là, derrière les cuisines, se tiennent les trophées, la magnifique coupe qui sera remise aux champions de cette année. La règle, 25 minutes pour réaliser un burger. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que des dossiers ont été envoyés cette année. D'abord, une présélection sur dossier, Déborah. Un jury a donc déterminé, a donc désigné les 5 finalistes par région. Et ce sont donc ces burgers que nos chefs vont devoir réaliser dans un instant. Tout à fait. J'en profite pour remercier tous les jurys professionnels qui sont avec nous aujourd'hui, parce que sans eux, la compétition n'existerait pas. Ils nous permettent d'avoir une vision à 360 sur le burger. On a des experts produits, que ce soit légumes, que ce soit viande, fromage. On a également des experts presse et des experts cuisine métier. Donc merci à eux. Merci aux anciens candidats également qui nous accompagnent tout au long de la journée, qui sont un bon soutien également pour les candidats actuels, puisqu'ils sont là aussi en conseil. Et merci à Julien pour nous accompagner aujourd'hui. Julien, est-ce que Julien, dans la carte de ton restaurant, il y a du burger? J'espère que oui. Ah oui, je pense que c'est impossible de ne pas en avoir en ce moment. Hein, depuis quelques années, c'est vrai que ça devient un peu le plat phare. Et nous, on en a fait un mini, en fait, concert. Bon, il est particulier, mais on s'est appliqué à faire un burger. Alors, des burgers particuliers, exceptionnels et inédits, vous allez en voir tout au long de cette journée. Et c'est vrai que c'est toujours très, très surprenant. Merci beaucoup, Déborah.
Laura, on se retrouve tout à l'heure. Julien, on va lancer donc le premier concours. Vous nous regardez sur la page Facebook de ce concours, la Coupe de France du Burger by Socopa. Merci d'être là. Vous allez pouvoir donc évidemment mettre vos commentaires. Et puis, regardez bien sur cette page Facebook, vous avez tous les burgers des candidats qui sont affichés en photo. À vous de liker le burger qui vous semble le plus appétissant. Et à la fin de la journée, nous remettrons le prix du coup de cœur du burger, celui qui a reçu le plus de likes. Et un prix spécial sera donc décerné à son chef. Vous êtes prêts, les amis ? Merci d'être là. Alors c'est parti, voici la première finale régionale. C'est la finale Île-de-France. C'est donc parti pour les 25 minutes. Chef, c'est à vous de jouer. Le chrono est donc parti. 25 minutes pour réaliser votre burger. On va faire connaissance avec les chefs au fur et à mesure. La règle du jeu, donc je vous le disais, 25 minutes et pas une minute de plus pour réaliser le burger qui aura donc été sélectionné. Trois burgers à réaliser. On gardera le plus beau pour qu'on puisse le détailler, on puisse vous le présenter un peu plus en détail, vous le verrez tout à l'heure. Et puis les autres partiront pour une délibération, pour un jugement avec les membres du jury qui sont présents. Et le président du jury, bien, je vous en parlais, c'est Julien Dubouet, qui est donc le président du jury de cette première finale régionale, mais également de la finale nationale que vous vivrez en toute fin de journée. 25 minutes donc pour réaliser, pour dresser trois burgers. Les critères sont importants, l'histoire du burger sera à raconter, l'explication de la recette. On notera également la présentation visuelle, la qualité gustative. Alors il y a la viande, il faut savoir que nos chefs ont le choix entre trois viandes signées Socopa, la façon Bouchère, la tradition ou bien la viande façon tartare. La réalisation culinaire entre également en ligne de compte, le pain, les sauces, les accompagnements et puis l'association globale des saveurs sera également notée. C'est donc parti pour 25 minutes et nous, on va petit à petit bien faire connaissance avec chacun de nos chefs et on va commencer par Richard qui vient de Fontainebleau, gérant du Yumi Food Truck. Bonjour Richard, comment ça va Richard ? Bon, Richard, quel est le burger que tu vas nous dresser aujourd'hui ? Quelle est l'histoire ? Alors, il s'appelle le Contrebandier, c'est un burger que l'on sert sur notre food truck tous les jours. C'est notre burger qui a le plus de succès auprès de nos clients, donc qui est sur une base de bœuf charolais avec du cheddar raffiné. On fait une sauce barbecue maison flambée au whisky. Avec une petite compotée d'oignons au safran et au miel de ronce. C'est un burger donc qui existe déjà à la carte. Hein. Voilà, qui est un petit peu amélioré. Quelle est la viande Socopa que tu as choisie pour ce concours ? On est sur du bœuf charolais façon Bouchère. D'accord. Donc c'est le bœuf avec lequel on travaille habituellement. Sur les pains, on est sur des buns à l'emmental et aux pétales soufflées au riz. C'est ma femme qui fait tous les pains. Parfait. Donc voilà, toutes les pâtisseries qu'on a chez nous, tout est fait en famille, on bosse en famille. 25 minutes, c'est suffisant pour le dresser, ce burger ? 25 minutes, c'est bon. 25 minutes, c'est parti pour le Contrebandier, donc le premier burger. Vous allez pouvoir suivre sa fabrication, le montage, le dressage tout au long donc de ce concours. J'accueillerai également les membres du jury qui sont pour l'instant, je ne sais pas si vous les voyez, ils sont derrière la fenêtre là-bas puisque cette année, évidemment, ce concours se fait dans le respect des règles sanitaires, vous l'avez compris. N'oubliez pas de mettre vos commentaires sous cette vidéo. Vous pouvez encourager les chefs. Dites-nous ce que vous pensez donc des burgers qui sont présentés et on va faire connaissance avec Alex qui est donc le deuxième candidat. Alex Valim, ça va Alex ? Bonjour. Bonjour Stéphane. Alors, quel est le nom du burger et quelle est l'histoire du burger que tu as décidé de dresser, de présenter dans ce concours cette année ? Alors, le nom du burger, c'est le Rossini, car c'est une inspiration à partir de Tornado Rossini. D'accord, donc du foie gras à l'intérieur, j'imagine. Non, tout à fait. Nous avons, donc le croûton va être représenté par le pain. Le bœuf, j'ai pris le hachis tradition, parce que c'est un bœuf que je vais assaisonner avec des oignons, des herbes, de la moutarde, de la sauce barbecue, donc bien. Je trouve dommage d'utiliser une viande d'appellation si on va couper le goût.
Ensuite, nous avons une compotée d'oignons au porto qui donne un côté un peu sucré à ce burger. Le croustillon va être apporté par une pomme à nain. Donc, c'est comme si c'était une chips au milieu. Nous avons également le traditionnel bœuf rossini. Il est fait avec donc une sauce madère, mais comme on a déjà le porto et que la truffe ne rentrait pas dans le coup de le burger pour la compétition, j'ai fait une sauce périgueux avec laquelle je coupe avec la mayonnaise, oui, qui remplacera même le fromage. Donc c'est un burger qui est sans fromage. Parfait. Tu peux commencer déjà à faire préchauffer donc la plancha Roller Grill qui est partenaire donc, de ce concours. Est-ce que Alex, c'est un burger qui est déjà à la carte du restaurant? Je rappelle que voilà, tu es chef exécutif du restaurant de l'hôtel Paris Marriott Opéra Ambassadeur. Oui, le 16 Haussmann, tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il est déjà à la carte du restaurant ou est-ce qu'il était... Non, il n'est pas encore sur la carte du restaurant. Il attend d'avoir du succès. C'était une recette qui était créée spécifiquement pour les concours. Pour le concours. Donc c'était basé sur une inspiration à la française selon Super. Le thème. Moi, je suis étranger d'origine, donc je suis venu en France pour ça et je vais prendre cette opportunité pour justement montrer. Alex vient du Brésil, il ne l'a pas dit, mais je vous le dis, c'est tout ça. Tout à fait, effectivement. Voilà. Il n'y a pas d'inspiration brésilienne sur le burger. Bah, c'est à la française. C'est à la française. Français, on garde exactement. Le côté tradit. La prochaine fois, c'est l'année prochaine. on pourrait changer de thème. On fera le tour. On fera le tour des pays. Allez, bonne chance, Alex, dans ce concours. La finale, Île-de-France, que vous vivez donc en direct. On ira voir nos candidats dans quelques instants. Les membres du jury, je vais vous les présenter. Julien Dubois, évidemment, c'est le président du jury cette année. Olivier Lignon, qui est là. Bonjour, Olivier. Venez me rejoindre, Olivier. Olivier Meuf, bonjour Olivier. Olivier, expert jury, voilà, dans ce concours. Je vous voyais déjà très curieux de ce qui se passe autour des planchas. Sur quels critères vous allez noter les burgers qui entrent dans cette compétition? Alors, l'aspect physique, hein, parce qu'on mange d'abord avec les yeux avant de déguster. Et puis après, ça va être l'originalité et le mariage des saveurs au sein de la recette. Il y a un critère qui est très important quand on demande aux Français aujourd'hui quel est le premier critère quand on mange un burger. C'est la viande. C'est la viande, la qualité de la viande. Complètement. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Socopa, grâce à ses filières de proximité, ne propose que des viandes 100% françaises, 100% muscles dans le choix de ces viandes. Mais la cuisson est importante. Alors, est-ce qu'elle est rosée? Est-ce qu'elle est saignante? Est-ce qu'elle est à point? Alors là, il faut être à l'écoute de ses clients. Hein. Par défaut, moi j'ai un food truck de burger, on fait des cuissons saignantes, mais après, voilà, enfin, il y en a qui mangent de la semelle, il y en a qui le mangent bleu, et même en bleu, il y en a qui le veulent en aller-retour ou un peu saisi. Donc il faut vraiment être à l'écoute de son client et la cuisson est très importante dans un burger. Vous la préférez comment? À moi, saignant. Saignant. Oui. Voilà, un petit mot pour les candidats. Saignant pour le chef qui est avec nous. Je vous laisse continuer à faire votre tour. Merci beaucoup, Olivier. Alors, je n'ai pas de visuel sur le chrono. Si on peut juste me dire combien de temps il reste. Je n'ai pas, j'ai pas le visuel, mais ça ne serait tarder. Et on va faire connaissance avec le troisième candidat, qui est donc Nabil. Il me dit qu'il reste 17 minutes. 17 minutes, Nabil me dit très bien, pas de problème. Nabil, sous-chef de cuisine, Annette's Diner. On est à Chessy, en Seine-et-Marne. On est à, allez, on peut le dire, Disneyland. On est chez Mickey. On est chez Mickey et je dois vous avouer que je crois que depuis le début de ce concours, c'est la 5e édition, on a, je crois, tous les ans, un chef de chez Mickey qui vient. Donc, est-ce que ça veut dire que Mickey est un bon cuisinier? Voilà, il y a Rémi aussi qui est un bon cuisinier. Nabil, quel est le burger que vous allez dresser aujourd'hui et quelle est son histoire? Le burger que je dresse aujourd'hui, je l'ai appelé le roi des neiges en faisant lien avec... Le roi des neiges? Oui. Ah bah oui, évidemment. Oui, comme ça, j'ai demandé la main de la reine des neiges au mariage. Et alors, il est composé de quoi? En fait, je suis parti sur une base de tartiflette que j'ai essayé de revisiter. La tartiflette, c'est un truc qui me tient à cœur parce que ça fait... Bon, c'est le premier plat que j'ai appris français quand j'étais à l'école primaire. C'est vrai, génial. Du coup, voilà, quand j'étais à la française, j'ai dit, ouais, je vais pas hésiter, ça doit comme porter chance. Du coup, je pars sur une tartiflette, tout est fait vraiment à la minute, tout est fait, même la sauce, la tartiflette, la sauce pour le burger, elle est faite tout de suite. Dans ce que vous voyez, je suis en train de faire, c'est la sauce pour... Je vois ça, ouais. Pour la burger, c'est une sauce chaude, comme ça on garde la chaleur. Le fromage, est-ce qu'il vient de la Savoie, de la Haute-Savoie, le fromage? Exactement. Oui, ouais, c'est un bon fromager de Savoie. Je prends une appellation contrôlée. L'OP.
Du coup, c'est... Je choisis ça, alors mon burger se compose de la sauce, comme je dis, je mettrai en sorte de tartiflette comme sauce, des échalotes grillées. J'ai, bon, pour les pommes de terre, j'ai essayé de faire des chips, comme ça ramène un côté craquant. De la viande que j'ai marinée avec un petit côté marocain. Quel est le choix de viande, Nabil, que tu as choisi parmi les trois proposés par Socopa? Il y a tartare, façon bouchère et tradition. Voilà, j'ai pris le façon bouchère. Façon bouchère, d'accord. Voilà, je fais façon bouchère parce que je travaille souvent avec et vraiment c'est... En qualité, en tout ça, vraiment, on n'a pas besoin de faire, on n'a pas besoin de faire beaucoup de choses pour qu'il soit bon. Hein. C'est super bon. Bon. Et voilà, la viande ici de tartare. Après la recette, voilà, c'est de les, on part sur la tarte. Je vois un peu de vin blanc aussi là-bas. Hein. Voilà, forcément dans la raclette, il y a un peu de vin blanc. Exactement. Allez, il nous reste, je pense, une quinzaine de minutes. Vous avez sur votre écran, vous. Et là, le vin blanc. Le chrono, voilà. On fait flamber ou pas? Non, c'est juste. C'est juste pour le goût. Il y a de la marge, Nabil. Il y a de la marge. On plombe alors. Non, attends, bien. Bon, super. Je te laisse travailler, Nabil. Merci. Bon courage dans ce concours. Julien Duboué, le chef, qui est donc le président du jury cette année et également de cette première finale régionale, est en train de suivre les candidats. Il est à côté d'Alex. Il regarde un petit peu ce qui se passe, la cuisson. Alex, qui n'a pas encore commencé la cuisson. Alex, il n'y a rien sur la plaque, là. Est-ce que c'est normal? Tout à fait. Je suis en train de mouler les burgers. D'accord, parfait. Il reste... je ne sais pas combien reste-t-il de temps. Il doit rester 13 minutes. Je ne sais pas qu'on me dise combien il reste de temps pour faire un peu monter la pression. Je vais vous présenter Ibrahima maintenant, qui est le quatrième candidat de... cette finale, Île-de-France, Ibrahima, chef de cuisine Le Reflet Paris dans le 3e arrondissement. Bonjour Ibrahima, ça va? Bonjour Stéphane, très bien. Bon, bienvenue dans ce concours, Ibrahima. Les viandes sont prêtes, elles sont faites, elles sont cuites. Bien sûr, oui. Elles sont cuites de quelle manière? On est à point, on est saignant, on est rosé? Là, on est sur du saignant. On est sur du saignant. Voilà, sur du saignant, je vais laisser encore un peu. Moi, j'aime beaucoup à point, mais j'ai entendu qu'il y a un chef qui mangeait saignant. Donc, on va faire plaisir. On va laisser attentif. Un peu sur du saignant. Quelle est l'histoire du burger? Quel est le burger que tu vas dresser aujourd'hui pour ce concours? Alors, si vous me permettez, Stéphane, moi, bien sûr. Tout, je souhaite vous amener en balade. Parce qu'en fait, cette histoire, c'est le Berry, ça résume l'Île-de-France. Il faut savoir que quand j'ai pensé la première fois à ce burger, je me suis rappelé d'un souvenir marquant, étant petit. Et ce souvenir, c'est à travers de la pâtisserie, la viennoiserie, pardon, parisienne. Dans le quartier où j'ai grandi, en Essonne, les plus anciens, comme on les appelle, ils ont cette tradition de partager, d'échanger, de transmettre ce savoir-vivre, qu'ils ont vécu. Et à travers ces sorties, ils nous amenaient à Paris pour nous faire visiter la capitale. Et je me souviens qu'ils nous offraient des pâtisseries, des viennoiseries. Oui. Et il y avait un peu de tout. Et moi, jusqu'à présent, j'arrive toujours pas à me décider entre le fosso aux pommes et le pain au raisin. Ah, donc, c'est cornélien, c'est difficile de choisir. Donc j'ai voulu immortaliser ce moment. Ce souvenir pour enfin... D'où le pain qui est un peu particulier, c'est alors. C'est ça. Donc voilà, on est sur un buns avec un appareil de croissant. Génial. Et en fait... avec des olives à l'intérieur, c'est ça? Non, c'est alors, quoi? Là, que c'est alors ça, c'est la brisure de truffe. C'est la brisure de truffe. Voilà, donc c'est un pain qui est parfumé à la truffe. Oh là là. Et en fait, ça me rappelle ma viennoiserie préférée, c'est le pain au raisin. Voilà. Pain au raisin. J'ai voulu reproduire avec les artisans ce pain au raisin, mais en même ce burger. Je ne veux pas te ralentir plus que ça, Ibrahima. Vas-y, on est évidemment de tout cœur avec toi, comme avec tous les candidats dans ce concours. Ibrahima et le Béritz. Il y a Julien qui était à mes côtés. Là. Est-ce que, Julien, tu as entendu un peu l'histoire d'Ibrahima? J'ai entendu. Ouais. Mais c'est vrai que cette histoire sur le pain, c'est très attirant. Vous allez chauffer un petit peu le pain? Non, j'ai pas chauffé le pain. Est-ce que c'est prévu de le chauffer ou pas? Bien sûr, oui. Ah, d'accord. C'est prévu, ouais, d'accord. Très bien. Le pain, c'est vraiment un croissant qui est doré, bien ouais. Sûr. Oui, je pense que c'est important d'apporter un peu de croustillant. Super.
très bien. Un candidat qui écoute les réflexions du jury. Hein, vous l'avez entendu. Je pense qu'il l'avait prévu. Hein, il l'avait prévu, mais voilà, notamment pour la viande. Mais il est réactif, c'est la viande saignante, c'est ce que nous disait tout à l'heure donc, un autre chef qui fait partie des membres du jury. Parmi ce que tu as vu jusqu'à présent, il nous manque encore un candidat à les découvrir. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui retient ton attention, Julien? J'aime beaucoup le fait d'avoir assaisonné la viande avant de la cuire, donc d'ajouter des condiments et de l'assaisonnement avant. Je pense que c'est une très bonne idée. Derrière, d'avoir quelque chose de gourmand, même sur le steak. Ici, j'étais un peu plus inquiet sur le fait de marquer la viande. C'était un peu doux pour moi. Oui. Je l'aurais saisi un peu plus fort. D'accord. Maintenant, il a sorti, donc je pense qu'elle est encore saignante. Mais pour moi, ça manque un petit peu de caramélisation. Tout ça, mais il va y avoir le pain qui va être très croustillant dans cette recette. Donc, je pense qu'il va y avoir un équilibre assez sympa. Oui. Après, voilà, c'est le final qui va parler. Hein. Là, on voit quelques points positifs ou négatifs. Mais je pense que l'essentiel, c'est de l'avoir dans la bouche et de parler au final. Quoi. Oui, la note globale, on vous le rappelle, hein, c'est l'histoire du burger. La note finale intègre aussi le mélange des goûts, des saveurs, les produits qui ont été choisis. Et la viande, la qualité de la viande également. Un point sur le chrono. Il vous reste 10 minutes tout pile. 10 minutes pour avoir et terminer en fait vos trois burgers. Je rappelle qu'il faudra donc dresser vos trois burgers. Je vais demander à Catherine Botti de nous rejoindre. Catherine, qui est expert produit. Catherine, qui va nous parler de l'importance d'avoir des produits de qualité dans des burgers. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous êtes membre du jury pour cette première finale, la finale Île-de-France. Catherine, vous avez été attentif aux quatre premières présentations. Il nous reste encore un chef à aller voir dans quelques instants. Qu'est-ce qui a retenu votre attention ? J'ai retenu que la viande avait vraiment beaucoup d'importance, bien sûr. C'est le critère numéro un dans le chez les Français. C'est le critère numéro un, oui, je pense. Oui. Après, c'est vrai que le côté végétal est très important aussi. Pour l'instant, j'ai pas vu de tomates ni d'oignons rouges comme. Là, regardez là, il y a un peu de salade, voilà, il y a un peu d'oignon confit végétal, là. Voilà. Parce que la viande elle est aussi sublimée par le côté végétal qui fait ressortir tous les parfums. Après, il y a du condiment, c'est intéressant aussi. Je pense qu'on va se régaler dans quelques minutes. Mais j'ai pas vu beaucoup de salade non plus pour l'instant. Alors peut-être que c'est encore caché. Pour l'instant, je pose la question à Nabil. Nabil, est-ce qu'il y a de la salade dans le burger ou pas ? J'ai de la roquette. Il y a de la roquette. Voilà, il y a de la roquette. Voilà, une salade bien parfumée. Oui, bien sûr. Salade bien poivrée. J'ai entendu qu'il avait aussi du fromage de Savoie. Oui. Si c'est ma région. Super. Voilà. Ça y est, Nabil a marqué un point là pour le coup. Je suis pas l'expert de fromage, mais pas droit à l'erreur. Regardez, même la viande, je l'ai remarinée. Même la viande. Même les échalotes, la partie belle, c'est sans l'intérieur de la viande. Échalotes, salade. Je vous laisse continuer le tour, Catherine. Allez voir les candidats. Vous nous suivez sur la page Facebook de cette Coupe de France du Burger by Socopa. Merci de nous rejoindre, merci d'être là. N'oubliez pas de laisser vos commentaires sur ce que vous voyez à l'écran. Laissez votre commentaire sur les produits, sur les burgers que vous voyez. Je peux vous dire que même s'il est un petit peu tôt dans la matinée, il est à peine 10h10, on a déjà très faim ici parce que ça sent très très bon. Alors, on fait un point sur le chrono. Messieurs, il reste 7 minutes 45 pour terminer votre burger. Et on va faire connaissance avec notre autre candidat, c'est Kevin qui est là. Bonjour Kevin. Enchanté. Ça va Kevin ? Impeccable. J'ai l'impression que les burgers sont pratiquement terminés, pratiquement dressés. Quelle est l'histoire ? Le nom du burger et l'histoire de ce que tu nous proposes aujourd'hui ? Alors, le nom du burger, c'est le Michel. C'est surtout par rapport à l'agneau du pré-salé du Mont-Saint-Michel. Parce que j'aime beaucoup cette région. Et je vais souvent avec ma femme quand je peux. Oui. Donc, j'ai voulu faire un petit clin d'œil à ma femme pour le coup. Par rapport au Mont-Saint-Michel, et on adore l'agneau du pré-salé du Mont-Saint-Michel. Donc c'est notre petit moment d'évasion. Quoi. Quel est le choix de viande parmi les trois proposés par Socopa que tu as choisi pour ce concours ? Il y a la tradition, le haché, façon de boucher, le haché tradition. C'est le haché tradition. Ouais. D'accord, haché tradition, charolais, viande 100% française. Ouais. On reparlera de l'ancrage de Socopa qui est présent dans 13 bassins en France pour être au plus près des producteurs. Le pain, est-ce qu'il a une particularité ? Oui, je vois, c'est pas un pain traditionnel et banal. Non, c'est un buns au cidre et pignon de pain. D'accord. Qui l'a fait ? Moi, hier. Parfait. Cette recette a été spécialement faite pour le concours ? Ouais. Bah ouais. À chaque fois, on les fait pour le concours. Et on les met après au restaurant une fois le concours. Qu'est-ce que c'est ça, là-bas ? C'est des fils dentelles à l'encre de sèche pour appeler un petit peu le bouillaudé.
D'accord. Donc oui, donc là, on est quand même très près de la mer. Ouais, c'est très, ça. Ouais. Très près de la mer. Bon, je te laisse terminer le dressage. Bonne chance, Kevin, dans ce concours. Parmi les jurys qui sont présents, Célia Rigon. Je vais demander à Célia de me rejoindre. Mais oui, quand même, laissez la parole. Célia me dit, oh non, j'ai pas envie de parler. Si, Célia. Du magazine L'Hôtellerie Restauration. Bonjour, Célia. Merci d'être là pour cette première finale. Avec plaisir. La finale Île-de-France. Ça sent très, très bon, là. Ah ben oui. Hein, je dois vous même à 10h du matin, mais... ça donne envie. Hein. Quel va être pour toi le critère, premier critère, quand tu vas déguster, goûter et voir les burgers une fois qu'ils seront dressés? Bon, bah déjà le visuel, la viande. La viande, c'est hyper important. Bon, perso, je préfère aussi saignant. D'accord, très bien, c'est noté. Mais voilà, après, c'est le visuel, bah, c'est tout. On a noté surtout sur le visuel, l'aspect, le goût. Dans le magazine Hôtellerie et Restauration, vous parlez de l'importance des burgers aujourd'hui en France, dans une carte, sur une carte de restaurant. Aujourd'hui, c'est un incontournable, le burger. Carrément, le burger est partout, aussi bien dans la petite restauration que dans le haut de gamme aujourd'hui. Donc, non, il est partout. Et on est quand même très, très loin des burgers fast-food. On est vraiment là dans des créations culinaires, dans des associations de goût. On va aller chercher le savoir-faire et la tradition française pour proposer des plats qui sont uniques. Ah, mais oui. Aujourd'hui, le burger, c'est... Enfin, il y a le fast-food et il y a les burgers haut de gamme. Il y a le vrai burger. Il y a le vrai burger. C'est celui qu'on vous propose dans ce... Eh oui, dans ce concours. Célia, je vous laisse, si vous voulez aller faire un tour, regarder nos chefs. Vous nous suivez sur la page Facebook de ce concours, c'est tout au long de la journée. La Coupe de France du Burger by Socopa. Nos 5 chefs qui sont là pour cette première finale régionale. Celui qui sera désigné gagnant participera à la finale nationale qui aura lieu cet après-midi, que vous pourrez suivre aussi en direct sur la page Facebook. La finale nationale aura lieu à 16h30. Et résultat final, nous connaîtrons donc le nouveau champion de France aux alentours de 17h30 tout à l'heure. Un mot sur le chrono. Je ne le vois pas. Voilà, on est à 3 minutes 30, les amis, 3 minutes 30. Richard, 3 minutes 30 pour dresser. Tout va bien, on est bon. Oh là là, okay, ils sont super beaux. Ils sont super beaux. Richard qui est là, parfait. Alex, il reste un peu plus de 3 minutes, tout va bien ? On est dans les temps, Alex. Je vois le foie gras, je vois la viande. Voilà, bah, très bien, oui, c'est sûr. Bon, 3 minutes. Nabil, il reste 3 minutes. Là, je vois que ça sent très, très bon. Le fromage sur la plancha, sur la viande, avec les pommes de terre, c'est juste exceptionnel, là, ce que l'on voit, là. Le savoir-faire, les traditions au cœur de ce concours. Ibrahima a encore le temps. On est prêt déjà? C'est fini, Ibrahima? On est prêt? Oui. Alors, il va falloir couper un burger. Vous en coupez un seul pour que les membres du jury puissent le déguster tout à l'heure. On est largement dans les temps. Ils ne sont pas stressés. Ils se sont préparés à ce concours, à cette finale régionale. Et puis, Kevin dresse. Regardez ces burgers. Le Michel. L'évocation de l'agneau de présalé élevé sur les pâturages du Mont-Saint-Michel. Quand on vous dit que, eh bien, au cœur de ce concours, il y a les traditions, le savoir-faire français, c'est important aussi. Sur la page Facebook de ce concours, vous avez donc le visuel de tous les burgers. À vous de liker celui que vous préférez visuellement, bien évidemment. Le burger ayant recueilli le plus de likes sera récompensé par le coup de cœur du public aujourd'hui. C'est une nouveauté cette année. Je me rapproche de Julien qui est en train de donner quelques conseils à Alex. J'ai
Julien, qu'est-ce que, alors, spécialiste du foie gras, Julien? Spécialiste, je sais pas, mais ça me fait plaisir de voir ça. C'est vrai que je pense qu'il y a quelques points à gagner en draguant le jury. Donc je me laisse porter par l'odeur du foie gras. Et le petit conseil, c'était de le sortir de la poêle et de le mettre directement sur la plancha pour bien le caraméliser. Ça sera que le meilleur, quoi. Parfait. Mais c'est une bonne idée. C'est vrai que ça donne envie. C'est très gourmand, le foie gras, de le rajouter sur un steak, c'est pas bête. Pardon, il reste une minute. Allez, c'est parti. 50 secondes, les amis. Nous sommes donc dans la dernière minute. 50 secondes pour dresser les trois burgers. Vous en découpez un. Alex, il va falloir faire très très vite. Ibrahima, c'est parfait. Richard, on a pratiquement tout dressé. Nabil termine le dressage aussi. Et pour Kevin, c'est quasiment prêt. Je regarde donc le temps. Il reste 29 secondes. Le dressage doit être fait. Dépêchez-vous, Ibrahima. Alors, il nous reste 15 secondes. Coupez le burger, un seul burger. Voilà, vous pouvez le couper donc en 6. Attention, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé, s'il vous plaît, messieurs. C'est terminé. Voilà, je vous laisse déposer le burger sur la planche ou l'assiette. Tout se passe donc dans les derniers temps. C'est bon ? Parfait. Le chrono donc est terminé. 25 minutes de temps imparti. Ibrahima, je te laisse poser le burger sur l'assiette. Il a été découpé dans les temps. Deux burgers vont partir avec les membres du jury dans quelques instants. Bon, on n'est pas si mal, Julien, pour cette première finale régionale. Franchement, bravo. Enfin, déjà, je vous félicite pour les avoir dressés en 25 minutes. Oui. C'est vrai que ce n'est pas évident. Tout le monde est à l'heure et ça fait du bien. Et ça a l'air très gourmand. Et ça a l'air très gourmand. Ça sent bon, c'est vrai. Exactement. Olivier, ça sent bon aussi. On est prêt à déguster. On est prêt. Les papilles sont ouvertes. On est prêt à déguster. Alors, je vous propose, messieurs, de choisir le burger le plus esthétique que vous allez laisser sur la table pour qu'on puisse faire des photos. Et les deux autres vont partir avec les membres du jury. Vous allez donc pouvoir aller déguster ces burgers. Le nom du gagnant de cette première finale régionale sera annoncé dans la story sur la page Facebook de la Coupe de France du Burger d'ici quelques minutes. Je demande à Fabien Ocelli de Socopa de me rejoindre. Est-ce que Fabien est là ? Je demande à Fabien de me rejoindre. Est-ce qu'on peut appeler Fabien Ocelli ? Voilà, de Socopa Restauration. Et vous avez rendez-vous dans un peu moins d'une demi-heure avec la deuxième finale régionale. Ce sera à 11h. Nous partirons dans le Nord-Est cette fois-ci avec 5 nouveaux chefs qui combattront dans ce concours. Fabien de Socopa Restauration. On a parlé tout à l'heure avec Déborah de l'importance de tenir ce concours, alors même que normalement il se déroule pendant le salon Sandwich and Snack Show qui a été annulé cette année. Déjà pour faire honneur à tous les chefs qui ont créé des burgers pour l'occasion. Socopa, c'est une entreprise qui a été créée il y a quelques années maintenant. Et l'histoire à la base, c'est quoi ? C'est une entreprise familiale ? Oui, en fait, au départ, c'est 3-4 éleveurs, en fait, hein, en 53. Puis c'est avant tout l'esprit coopératif. Et puis, bon, on appartient maintenant au groupe Bigard, mais tout cet esprit reste bien ancré. Et maintenant, c'est plus de 5000 personnes, je dirais, et au service de restauration, comme on voit aujourd'hui. Quels sont les produits que Socopa propose ? Alors, je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, Socopa, c'est le fournisseur numéro 1 de la viande pour la restauration. Quelle est la variété des produits proposés ? Alors, pour confectionner les burgers, en fait, hein, on a plusieurs... je dirais steak haché, si on peut appeler ça, ou viande hachée, hein, que ça soit formée ou non formée. Tradition bouchère pour retrouver ce que l'on a chez notre boucher. Plus compacté ou avec une cuisson beaucoup plus rapide. Et puis toutes les races, les charolaises, aubrac, que l'on trouve dans nos pâturages. Ce sont donc des viandes d'origine 100% France, 100% muscle pour les viandes qui sont proposées dans ce concours. L'importance pour Socopa, c'est d'être vraiment proche des éleveurs. Il y a plus d'une dizaine, 13 bassins d'élevage en France. Ah oui, je dirais que notre couverture nationale nous permet justement d'avoir cette connotation régionale et puis bien ancrée dans nos régions.
Donc, avec, au travers aussi de nos différents sites, hein, je dirais, qui seront situés sur tout le territoire français. Fabien, c'est le moment d'aller déguster. Voilà, j'y vais. Les burgers. Voilà, vous voyez donc les chefs qui savent faire vous présenter voilà, les plus beaux de ces burgers. Merci de nous avoir suivis pour cette première finale régionale, la finale Île-de-France. On se retrouve donc tout à l'heure à 11h pour la finale Nord-Est que vous pourrez suivre en direct sur la page Facebook de la Coupe de France du Burger by Socopa. Et d'ici 15-20 minutes, sur la story de cette page en story, vous aurez donc la révélation et le nom du gagnant de cette première finale régionale. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous tout à l'heure à 11h. Nous partirons dans le Nord-Est. À tout à l'heure.